Ça qu'a fait tout le monde. Bienvenue dans Technologique, un podcast qui a parlé de tout ça qui a à voir avec causer technologie. Je dis un plaisir pour accueillir Whitney Lubin. C'est avec un grand plaisir que nous allons parler de mon bagage. Je dis qu'il est Microsoft Leap. C'est un programme que nous t'ai mentionné dernièrement dans le podcast que nous t'ai fait avec Igor. Nous sommes j'ai expliqué qui j'ai fait venir en software développeur. Je dis nous allons regarder avec Whitney en long et en large qui ça programme ça est. Et puis nous allons expliquer qui ça qui ont TPM, un Technical Program Manager. Whitney, moi, vraiment content que vous là ensemble avec nous. Merci en pile parce que cette invitation. No, my pleasure. OK. So, parlez-nous un peu de où vous faites un diplôme de bachelor dans ce qui a avec, rapport avec relations internationales et affaires. Et je ne vous dis pas où c'est un software développeur. Parlez-nous un peu de background et qui j'ai côté fait entrer dans la cause des technologies. Oui, so. Je pense que j'étais toujours dans la technologie parce que j'étais toujours like affinity avec la technologie pendant que j'étais un petit monde. Mais je ne pas qu'on était en profession, En profession. j'étais à études et whatnot. Et donc, j'étais à l'école, le premier major que j'ai gagné, c'était biologique science. J'ai études pour aller faire docteur, comme ça. Métier, métier haïtien, Métier, mais oh. oui. J'ai essayé tout. Après ça, on dit, Avocat, oui, après, docteur, ingénieur. oui, j'ai essayé tout. Et après, j'étais avec ingénieur. Mais était dans la dernière année dans l'école, j'étais gagné, dernier semestre, j'étais gagné en classe entrepreneurship, et était dans la classe, ça me connaît, oh, je dois la technologie. Et donc, je Qui ça que t'as gagné dans graduais. la classe ça qui fait que t'es décidé, ouais, ok, on est dans la technologie. So, dans la classe, nous avons fait on, nous avons un projet. Et nous avons besoin de faire un business. Et so business, pas nous pour faire un streaming platform for sports. So, comme like a video streaming platform for sports, whatnot, right? And so, just research nous avons fait pour projet là, nous avons fait pour connaître, nous devons faire, nous devons Technologie. technologie. So, nous fait hackathons, tout bagay sa yo. And pour moi-même, je pense que more lean entrepreneurship qui fait me remettre technologie. Mais j'ai fait un business, j'ai un entrepreneurship, j'ai outsource, hire moun dans India pour travailler sur projet avec moi. Mais j'ai toujours pensé que j'ai un bagage missing, je ne comprends pas de technologie. Parce que, pendant ma travail avec moun, l'autre boss, so, dit un jour, on dit, OK, on a besoin learn to code parce que si nous learn to code, on pense que ça va aider moi les Là, fait payer quoi? mon oui les payer pour mon fait travail sur projet yo. So, on t'a fait non 2018 So, 2018 ou décider qu'on y a pour apprendre programmer. oui. So, 2018, je fais un bootcamp dans Miami. Et après ça, pour 2 années, je travaille as an engineer. Parce que, ou besoin de travailler sur les pour connaître ou pas Surtout seulement programmation, l'école. des fois l'offre, la caillou, ou bien un bootcamp, ou juste suivre le tutoriel là, mais vraiment expérience là, c'est les trois leur sous-marché. Oui, exactement. So, fait 2 années côté ma travail as an engineer. And then, m'te wè opportunité Microsoft li paret. And m'te décidé, based on my experience, tout bagay m'te kon fè, technical program manager, ta fit sa Bien. m'te vle fè pi bien. OK. On va continuer. Nous, on parlait un peu de entrepreneurship et en effet, moi, que vous êtes fondateur d'Outlook, ou c'est fondateur Startup Life, ou c'est fondateur Asian Tech. Qui ça qui entreprise ça et pour qui ça qui pousse vraiment créer différentes idées business ça?
Well, ok, m'pense, n'ite komanse avèk papa, m'pense ke papa m'te toujou gen business. M'sonje lè m'te 8 an, nou te nan, yo te gen plusye dry cleaners nan Miami. M'te kon al devan pou m'travay, pou m'bay moun resit yo, pou m'ede yo. M'te toujou konen m'reme business. And so m'pense sa kontinye influense mwen, pense ke lè m'te... même j'aime te dire dernier class m'te gagné est entrepreneurship and so et m'pense c'est entrepreneurship là qui aide pour me faire pour gagner curiosity pour toujours vouloir apprendre plus and côté m'te where entrepreneurship t'a aller c'est technologie tout business c'est en technologie basé sur technologie. Oui. Tout business, c'est un business technologie. And so, pour moi-même, un monde qui l'aime commencer avec l'autre business, yo, n'tap utilise toutes différentes qualités technologie. Là, on compare fait vini, et moi-même, même un typique un monde qui a utilise le software ou un monde qui a utilise service là avant tout le monde. So ça était toujours on était toujours comme ça on était toujours connait technologie t'a aidé au faire business plus bon plus facile plus performant by plus bon service exactement and après on tant on connaît OK quelques fois qu'il y a une technologie ou penser on était qu'à faire plus bon moi même c'est un monde qui si compagnon ou technologie pas tellement à faire un bagage si on if they're missing something, si yo pa gen yon bagay, n tap ekri yo di, oh, ou konen li tap pi bon si ou mette sa, poske da, e moun kon sa mye, n tap ekri yo. So proactive. Oui, so pou mwen men, n te toujou konen teknoloji, se yon platform kote tout business bezwen, and ou kash kreye bagay pou business yo pou yo pi performant menm, jan ou te di. Oui, parce que technologie li permet ke ou kapab pi kompetitif, et puis plus ou apprendre le business ou, c'est plus ou kapab automatiser service ou, bay pi bon kalite produit, et puis permet ke ou gon an certain avance avec compétiteur yo. Et en parlant de business, qu'on y a, en pile business, c'est juste un software application que li, Uber, Facebook, DoorDash, tout ça, c'est juste une application li, et puis qui transforme en business. Maintenant, qui dit, moi, quand tu travailles comme front-end développeur ou tu travailles comme full-stack développeur, qui différence pour mon cap côté là qui gagne entre full-stack développeur et front-end développeur? Oui, so a full stack developer est seulement pour dire ou comprendre front end avec back end and you can utilize you na team là pour aider ou avec engineering pour tout le deux système. So avec front end là, m'était focus seulement na premier like React, JavaScript. And so front end est tout bagay ou ka wear na computer or sou mobile interface là but yeah it's the interface là right and then the back end c'est relation avec database là and tout bagay ki a operation ki a ki fait derrière ki buy information pour aller devant so education te fait na bootcamp là yo te éduquer nous avec the full stack mais pour moi même pile m'étais wel pile job yo te pour front end pas tellement okay. Pour full stack so m'étais wel pile pile bagay m'étais fait c'est te prim front end mostly mais est-ce que le bachelor par exemple by relation internationale égale nos bootcamp coding est-ce que son process qui est difficile pour apprendre coder parce que son bail qui nouveau totalement pour qui j'ai expérience là est-ce que il était challenging experience était challenging but même j'ai dit earlier m'étais déjà coding pendant dans high school mais okay. Pas connais c'était on étude de commencer tout ça. On va faire une spécialité là-dedans. Non, exactement. So, où sont les gens qui ont fait MySpace? Tout le monde a fait profile, ou a changé. Five. Yeah. So, et là, on a commencé, mais on a fait comme jouette.
Vous comprenez? Tout, on te connaît tout le monde a fait, on fait créer, faire pareil moins, you know, yeah, pour faire moins look different, opérer different, et ça me qu'on fait, mais pas connaît, c'est un bagage où t'as, où t'es qu'à, you know, étude et faire en. C'est comme là, yeah. Oui. So, l'aime fait bootcamp là, il n'est pas tellement nouveau, un peu le bagage a changé, you know, since depuis MySpace. Là. Depuis là, ça, mais en pile bagay, t'es même genre, comme HTML, okay. You know, CSS. CSS. So, yeah, exactly. So, kounya, t'es gen nouveau bagay, JavaScript, and a lot bagay m'pas familiar with, but, parce que, m'pense, j'en parle, mwen, levé, m'toujours pense, m'kwe, yeah, m'kwe, si ou ba en pétant, m'ka m'kwen. Yeah, ou go self-confidence, ou m'kwen en pétant. Exactement. So, même que m'fini bootcamp là, m'pas tellement the best, mais m'kone, si m'continue travail sou li, m'da pi bon chaque fois m'kode un nouveau projet. So, erezo sa, m'pas dépend pour au moun employé mwen pour m'kode, m'te gen projet m'te vle faire pour, you know, l'autre projet m'te gen, m'te vle code déjà. So, m'te toujours gen un projet m'ta code, même si m'pa gen un compagnie qui a employé moi pour faire de code. Yeah, c'est un des plus bel avantages que m'trouve qui gen l'on moun si un software développeur ou pas obligé de tant moun bon job ou ka juste créer un service et puis pour créer une application. Maintenant, avant nous entrer dans maman causer, nous va parler de qui ça qui Microsoft Flip, qui ça qui en TPM. Parlez-nous rapidement de qui ça qui est Haitian Tech que vous créez. Oui, so Haitian Tech, on t'a créé l'année passée pendant la pandémie là. And on t'a créé parce que on t'a allé à une conférence, une technology conférence, les Afrotech, en 2019 in Oakland. And there were plusieurs Haitiens dans la technologie. Ils me disent, oh, côté moun sa yo te ye, parce que m'pa konnen, li pa facile pour jouen yo, right? Yeah, that's true. And si m'te Google-li, si m'te mette Haitien nan tech, m'pa tellement wè on sel place côté m'ka jouen yo. That's so true. So m'te vle on bagay ki te facile pour ka just jouen tout moun sa yo, SEO friendly. If you could say, you know, search engine optimization. So, raison ça, moi, Haitian Tech te available. So, te, fell. Oui. And then après ça, te just, essaye pour me connecter avec, chaque Haitien technology, encounter. So, qui sa goal? Est-ce que c'est moun yo supposé à l'inscrit sur plateforme non plus dit que yon a technology que sur Haitien, qui j'en sa fonctionner? Oui, so nous gen deux qui j'en ka di ça. Nous gen deux bagay qui important or pillars for community. Nous voulons faire une communauté côté moun qui aspirait pour transition into technology. Yo ka ala pour yo joindre resources, pour yo ka apprendre and connecter avec l'autre moun qui déjà nan technology, qui you know professional nan space là. So on a networking community. So sa premier bagay nou vle ofri. And so nou gen on community nou ap build. Le nou te fek fel, li te seulement on newsletter, on email newsletter, kote nou voye information. Mais pour anesa, nou ap fè on community kote moun ka login, yo ka chat and stuff like super, that. Super. Moun ka contribuye tou, ki jan moun ka contribuye? Oui, so deuxième façon, deuxième pillar or bagay ki important pour nous avec Haitians in Tech is pour moun contribute nan projet. So, gen yon bagay rele civic tech, c'est a form of civic engagement. So civic engagement is le, you know, moun nan communauté, nou travay ansanm pou fè communauté pi bon. Okay, right? Civic tech fait même bagay, mais nous ap utilise technologie ou profession de moun technologie pour aider gouvernement lan ou business ou non-profit nan communauté pi bon, aider yo pi bon avec data. Si ça fait sens. So, m'te déjà fait travail ça, you know,
États-Unis avec Code for America in the city of Miami. Mais de comprendre la communauté haïtienne, nous pas tellement engage comme ça. Nous engage dans l'autre façon with civic engagement, mais nous pas engage sur civic tech. Et nous avons besoin plus monde qui professionnel qui na technologie pour also aider gouvernement like parti gouvernement qui na communauté qui a plusieurs haïtiens. Nous avons besoin plus monde comme ça. So the civic tech là est pour aider haïtiens yo qui na technologie give back to community côté yo qui gain historically gain appeal haïtien parce que communauté a besoin aide pile temps nous parler de aide na Haïti mais là al na Little Haiti na Miami yo besoin aide tout yo besoin yo so et raison ça nous te voulait create a framework so nous ca replicate this on toute communauté côté yoga haïtien, even if it's in Boston or New York. Ah, ça c'est super, vraiment super. Et bon, en tout cas, moi ouais que c'est un style en construction. Est-ce que qui genre, si on haïtien et ouais ça et puis les notre cause technologie, il besoin aider dans projet ça que on fait, qui ça le café, qui genre capable. Parce que même par exemple, par contre qui genre fait promotion pour ça, parce que même tomber sur ça par hasard, on vient qu'on nous par hasard sur LinkedIn, est-ce que nous fait promotion pour ça, qui genre nous fait qu'on ait projet ça et puis pour aller s'invigner là-dedans. Oui, so nous t'ai fait commencer refaire website là, and I'm just décidé pour yo pendant yo travail sur lui pour quitter live. So that's good. So très agile, agile. Yeah, oui. When on monte qui parle passer en deux bagages trois prend trop de temps pour, you know, penser. Je préfère pour voyer le dehors, même s'il n'est pas parfait ou qu'il travaille sous lui. Oui, mais ça. Je suis très content tout. Je suis très agile. Yeah. So, nous avons un email. You can email us at HaitiansInTech@gmail.com. En IT, nous avons developers en IT qui travaillent sous lui. OK, super. All right. Maintenant, où c'est un technical program manager de Microsoft et qui ça un technical program manager fait? So, en réalité, I would say the technical program manager, yo aide. So yo en passe libre différent depending on what type of company you're in. Mais pour moi-même, même genre que l'emte en entrepreneur, et ça m'a fait pendant moi en technical project manager. Parce que ma dernier projet que j'ai fait pour team, c'est pour joindre, OK, qui ça nous va le build? Qui ça va aider en team faire travail au plus facile? So, qui ça nous doit build pour aider au faire travail au plus facile? So, devoir pam et pour faire research là pour develop the plan of what we're going to build, why we're building it, and then pour follow up with the developers pour nous ka create a plan of how long it's going to take to build it. So pour faire suivi avec développeur qui ça que nous va créer comme produit maintenant ça semble un pile avec un project manager. Est-ce qu'il y a une différence entre un project manager et un technical program manager? Yes, it is a program manager parce que ou tu as besoin de prioritize le projet ou gain. So it is a program manager. Mais ou technical in a sense is it's a lot of overlap. Même l'emte interview pour position, yo di gen un pile overlap. So, m'pa ka tellement di ou ki différence l'autre là, mais nan position PAM, et m'pense yo besoin comprendre the architecture plus. Ou comprendre, like. Architecture de qui ça? De software, genre data works. Même que m'pa on data scientist, nous gen un team for that. Yo besoin gen competency côté ou comprendre Sim paradox. Ou comprendre
terminology moun data scientist yo tap kopren. So le wap kreye... Pale ave yo. Le wap pale ave yo. And le wap fe on plan ou deja gen bagay sa yo nan... So, ou pa oblige kon programme, ou pa oblige yon programmeur, me, fok... Eske kom si pou vini yon technical program manager, fok ou son programmeur, fok ou kon programme. Ou du mes ou jist bezwen... gagner un minimum de connaissances parce que dans le programme dans que nous allons parler tout le délire après tout à l'heure il dit que faut pour passer dans bootcamp au moins. Oui, so ou pas tellement besoin moi c'est l'idée bonne on peut dire ça mettre un disclaimer il dépend dans team là. On va dire pour team pam ou pas tellement besoin mais pendant interview on te gagne un coding challenge. So on pas qu'a dire ou pas on pa ka di ou pa bezwen kon coding mais yo do le wa fè application yo expecte ou te ou kopran coding ou te fè un bootcamp ou te gen quelques mois experience ou pa ka aplike juste apre bootcamp lan ou bez yo vle ou tan quelques mois pou gen experience avan ou aplike et jan application te lèm te sonje m pa konnen si yo chanje OK. Mais qu'on y a lot skills que on après que on technical program manager besoin après question programmation, c'est project management, pas vrai? Faut qu'on gagne. Oui. OK. Maintenant, programme ça qu'on entre là-dedans qui c'est un stage, il est Microsoft Leap. Parlez-nous de programme ça et qui j'ai un monde faire pour entrer là-dedans. Oui, so Microsoft Leap apprenticeship c'est un programme pour aider moun transition into un career in technology. Si ou t'es un moun qui finit un bootcamp et ou gen 6 mois experience ou ka appliquer et même que li pou moun qui si ou t'es un moun pour exemple si ou t'es un moun qui t'es gagné un petit moun ou t'es travaille sur technologie mais parce que ou t'es gagné un petit moun ou décidé pour prendre quelques années côté ou pas travail et ou t'es voulu ou t'es voulu retourner moun sa yo t'a aussi appliqué pour programme parce que nous connaît technologie change rapide so en pile temps moun sa yo joigne difficile pour yo réentrer parce que yo pas dans espace là pour plusieurs années. So ça on l'autre façon ça on l'autre façon ou l'autre typique au monde qui ca appliquer dans programme là. So programme là son nom minorité et population tout à coup c'est une race noire ou c'est une minority community. Minority community, but jan yo oriente est pas tellement pour minority et pour moun qui a transition dans career yo. So si ki pa nan technology du tout et puis kounye ki vle vin nan technology. Exactement. Or si ou te nan technology ou pa nan technology pou an pil ane et kounye wap retourne. So it's deux typique moun ki tap aplike moun pa gen an ken experience nan technology seulement bootcamp lan and experience apre bootcamp lan et lot moun nan yo pa nan technology pou plize ane yo vle retourne. So program la so a diversity of background that you see et pas tellement diversity de couleur ou tout bagage ça so et moun sa yo ki ka aplike so so mte aplike mte gen deux options mte ka aplike de engineer ou mte ka aplike de TPM mte decide based on experience moi kote mte gen team nan India, kote mte outsource, kote mte travay sou project pou client, TPM te nan lin mpose mte ka al plis, poske mte deja fè travay sa before. Men yo gen lot position, yo gen cohort yo, yo application e kelke fwa ane yo fè application cycle lan. And yo fè application cycle lan pou different positions and then different locations. Yeah. Men kounya, pwanda COVID, tout bagay yo se te remote. Men before COVID, you would have to go to whatever location yo deal. Yeah.
moi je fais pour Nigeria, pour Edmond, dans Washington, etc. Et en ça, ce qui est une bonne nouvelle, il n'y a pas seulement pour software engineer avec TPM, qui est technical program manager, il y a mettre l'autre, il y a dit field, donc cyber security engineer, ou du moins sales engineer, des bagages comme ça. Maintenant, on a été focus sur TPM. Là. Est-ce que vous pouvez me raconter un typical day in the life of a TPM? Un journée, qui genre un journée, un monde qui travaille comme technical program manager passé en général? Oui, pour moi-même, ou bien on liste de projets qui wap travaille sur. And really, c'est. Le moun mande m di sa wap fè wap mande question et seulement ça wap toujours mande un question ou besoin chercher un question pour mande and wap jwenn moun pou ki ka ba answer la ou konprann so et seulement ça so ou gen on list de projet and then ou gen en bas chaque projet ou gen on list of questions ou gen pou projet la and ou either ou besoin jwenn moun yo pour bao answer là or ou déjà connait qui moun lié and ou just besoin un update. So ça est okay. Ça est basically travail wak fè like in a day. So m'gen un projet I'm scheduling meetings and or jumping in on a meeting and nou bes nta for example nou gen un team qui fè tout data science là, right? So nou utilise the database or information moun sa yo travay sou no projet nou. Mais gen yon bagay mte ka pa kopran de data la, so mta jump in the meeting pou mande yo, ok, ki jan data sa travay, kote ou pran data la, what are the limitations of the data? So sa, asking those questions, li fel pi fasil pou m kopran ki jan ka utilize li, and ki information li ka ban parce que tout information pas égal ou comprend so là ou konnen côté li pas égal ou bral utilise li pi bon m pa konnen si toute information ça que on collecter hein c'est pour le présenter by boss ou by management right oui I mean après chaque semaine you know nous ou give a update to your team, who di kote ou ye, ki sa, ki ap, kote, ki sa e a blocker, you know, ki sa block you pou fè progress. So yeah, wap update your team, you know, pon semen nan tout bagay. Le ap tan wè kon fon technical program manager, se pa kom si ou gon team an bon wap jere, men ou jist ap communique avec plusieurs autres teams, men se pa, yu pa pou report ba ou directement. Oui, exactement. And so, on pense un monde qui en TPM ou besoin indépendant. Ou pas tellement gagne un monde qui a géré ou pour dire pour faire ça. Ou besoin un monde like en raison entrepreneurship côté ou mandé question ou dire you know what? On doit gagne information ça. Qui monde on pense qui ka ba information ça. Ou pas tellement connaît so ou besoin mandé qui moun on l'autre moun qui moun ka ba information ça ou so et pas tellement pas gen ken moun ki a report to me and et pas tellement boss moi qui dim qui moun pou parler or qui dim ça me besoin faire ou crier projet là ou crier requirements là and tout bagay c'est un bagay ou ou pour I guess pou kontou. OK. Et si un monde, par exemple, un jeune ou bien un professionnel qui t'a aimé venir en TPM un jour, qui te ka di skills ou du moins capacité pour capable commencer développer la kayli. S'il veut venir en TPM. So, communication premier. On pense raison de faire bien the Microsoft Leap apprenticeship is parce que on pas de problème pour you know set up a meeting avec n'importe moun pou mande yo question, m'pa tellement moun ki timide. So, and m'pa, raison m'pa timide, poske m'pa timide, même que on question sounds simple, it's a dumb question, même si question m'pa stupide. Yeah, même si li pa stupide, mande l.
Vous comprenez? Parce que les plus bon pour demander stupid question là, de ou pas dire rien. Oui. So, so je pense que ça is like premier bagage qui fait really good at the position parce que demander tout question yo. Okay, right? Deuxième, je pense un monde qui voulait TPM en skill yo t'as besoin. Yo besoin comprendre qui j'en pour build pour un client. So it's almost like a you're really like a servant leader position mm-hmm. where you besoin comprendre how to listen and how to. So no sense c'est comme une sorte de product manager pour capable connaître qui service ou du moins qui j'en pour produire ou mes services arriver qu'à un client pour que le client capable content que ce soit oui. Dans gens l'utiliser ou dans l'interface là. Oui, parce que en pile temps, client là pas connaît qui je pour dire qui ça lui besoin. So ou besoin en pile temps ou besoin en façon pour observe client là mm-hmm. pour voir qui gens lui travaille pour qu'a mandé yo appropriate question qui mm-hmm. qu'a bas information de qui ça yo yeah. besoin. Yeah, ou garde client ou dit OK, pour qui ça c'est leur cliquer? Pour qui ça c'est comme ça ou tu envie faire? Alors c'est pas comme ça vous même côté bâti programme non. Maintenant, log c'est les études de cas yo, log garde client qui j'ai utilisé produit application pour être capable connaître plus bien qui ça ou même pour faire pour demander développeur, c'est ça? Oui, oui. Parce que on lot bagaille wap faire is prioritize. So le wap prioritize wap dit il y a plusieurs bagaille nous besoin travail sous mais qui ça plus important qui ça brel by plus impact ou qui ça brel by plus impact dans temps nous gagner so nous doit travailler sous ça premier and then lot long nous mettre le deuxième lot long nous mettre le troisième comprend okay. So et bagaille ça ou besoin faire avec client là et on l'autre bagaille ou besoin faire avec developer yo prioritize bagaille yeah pour qu'on se quitte tâche pour travailler avant OK maintenant on conseille pour un jeune maintenant qui voulait venir dans cause technologie de manière générale c'est-à-dire les fait fin dans high school dans philo les besoin les élever entre dans cause technologie puis pas gain peut-être un peu de ressources quitte la vie en Haïti ou bien ici, il y a besoin d'un conseil pour les gens qui ont orienté. Qu'est-ce que tu as dit? Ça m'a dit, je seulement qu'à réfléchir dans l'expérience PAM. L'MT Think Fini Bootcamp plan, je fais même pas, je toujours fait, je suis online, je suis sur Twitter. Si je travaille sur un projet, that met in a Twitter and get a problem avec React map gain RSA toujours joine au monde m'ta toujours joine façon côté m'ka joine au monde qui dit oh est-ce que tu fais ça bla 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 or m'ta gain monde qui dit oh let's faire na faire en Zoom m'ka aider oh, wow. Oui and so ça t'est toujours experience moi sur the internet. Ou comprenez? Mais, ouais, soit dire, et dire attention, pour capable faire ça, faut qu'on follow bon moun yo tout. Parce que, sous fond tweet, et puis qu'on y a, ou moi, qu'est-ce qu'il y a d'eau? Moun qui parle ouais tweet yo, c'est moun pratiquement que ou follow, mais qui follow ou. Donc, faut qu'on entoure ou de, et pas moun seulement qui parle de toute notre cause. Faut qu'on entoure ou, mais follow ou, mais faire moun follow qui n'a même domaine qu'on sort qu'on a aimé. Oui, oui. So, na tweet yo, m'ta mette hashtag Black Tech Twitter. Parce que c'est un groupe de monde qui, tout le monde qui noir, qui na tech, yo follow that hashtag. So, m'te konne si mette Black Tech Twitter, en pile moun tap wali na interface yo. So, but yeah, même Jean, Saudi, ou besoin follow, ou besoin na communauté, ou besoin na ecosystem la. So, même si na Slack, I have Slack groups, different Slack groups qui technology focus. That mette questions sur Slack group yo. Ndi mette un screenshot error moi, ndi ki j'ai un tap you know, si gen un ki ka aide. And pour appeal technology yo, yo gagnent communauté sa yo. React has it, you know, Rails has it, WordPress has it. Ou ka join communauté sa yo ou kote moun aide kon sa. Yeah. OK. Est-ce que avant aller est-ce qu'on un conseil que tu as même bail pour monde qui voulait est-ce que tu as rappelé pardon email
pour les gens qui veulent entrer dans Haitian Tech. Oui, so the email, nous avons plusieurs emails, mais nous avons un email générique là, HaitiansInTech@gmail.com. Yeah, et si vous voulez join us at Haitians in Tech, email, envoyez-nous un email and nous allons add you to the email list. Super. Dernière question, Whitney. Est-ce qu'on cabaye au monde qui voulait entrer dans Microsoft Flip là, qui va l'appliquer là dans année ça ou bien année prochaine, on petit pour par exemple le coding challenge ou un qui ça qui au plus demander, est-ce que un langage mais spécifique de programmation qui est plus intéressant, du moins ce qui truc ou mais qui type que au cap au monde capable faire pour préparer dans tout process interview et Microsoft Flip là. Qui ça aurait mais qui ça mon yo attend qui pour faire ça. Yo quitte code dans n'importe langage ou connaît mais experience pam so on connaît déjà l'aime te faire coding challenge là on pas faire bien attend. OK, on pas faire coding question là bien mais pour mon qui était interview moi, il pas tellement pensé il était doué demander the coding question anyways. So, pas tellement qu'a dit experience pam ou al même gens pour l'autre monde pour l'autre monde. So m'ta seulement dit, you know, travail sur you get un livre qui relait How to Crack the Coding Challenge. Ça c'est un livre quand même qui ca aider you basic the basic algorithms to coding challenge your utilize ça va l'aider. Deuxième ou ka utilize LeetCode HackerRank bagay sa yo ki ka ba example coding challenges to do but leave sa li breaks down kind of like the algorithms or the raison behind the algorithms and kisa yoye. Does that make sense? I would say that's the book. And you're getting also breaking the TPM interview leave as well. So cracking the TPM interview, I believe. Sa on lot leave si vous voulez faire TPM, ki m'pense ou tap leave parce que li tap ed ou sou interview. Super. Mais en termes de kounyan, Microsoft Leap, en termes de valeur, culture, ça moun yo ap chèche, ça interview, qui ça, comme si que ka fè, que yo pran, en tant que... Okay. Yeah, so yo vle moun ki... So yo gen mission, c'est pou yo kreye technology kote yo aide moun avec organisation yo fè pi bon job. So yo gen culture kote yo vle moun ki a aide community and moun lèm te fè interview mwen m'pa tellement parler de lòt travay mwen m'te parler de projet m'ta travay sou m'parler de Haitians in Tech m'parler de startup life m'parler de contribution m'te fè nan community mwen kote m'utilize technology and jan mwen wè technology jan mwen li impacte community. So m'pa konnen si sa se jan lòt moun te interview, mais pou mwen menm m toujou vle travay sou on si mwen travay an kote, m vle li reflekte personalite mwen pam. So mwen pale nan interview an, mwen pale de bagay m passionate about and bagay m toujou reme travay sou. So m te pale de civic tech, te parlé de travail que tu fais avec City of Miami, te parlé de Haitians in Tech, te parlé de lot entrepreneurship projects que tu travailles sous qui pas en tra, you know, qui un projet que tu travailles sous pour quoi. And so on pense ça toute bagarre que tu share with them, il te demonstrate que m'aimer parler avec moun pour comprendre qui ça yo besoin and m'aimer comment ces projets based on those priorities. And deuxième, yo wè nan projet m'te fè pou kòp mwen, sa te montre yo like technology awareness. Ou ke ou gen le sens d'initiative tou?
Oui. OK. N'oubliez pas de Startup Life. Qu'est-ce que Startup Life fait? So, with, en base de Startup Life, ça est côté me faire consultation, software consultation avec clients, nous build websites, nous build applications. Sous ça, me fait commencer faire projet outsourcing pour client. So, you know, si on client besoin faire un website ou un mobile application, et sous the Startup Life, nous travaille pour faire ça. OK. Super. Whitney, Lubin, je suis vraiment content de vous avoir un podcast technologique. J'espère peut-être l'on fini avec apprenticeship pour peut-être retourner pour pouvoir raconter l'expérience encore et puis gagner une prochaine fois. Donc, merci un peu pour cette invitation et à la prochaine. Merci. Bye-bye. Bye-bye.